Bon, je suppose qu'il faut démarrer par ça. In Coding Game Fall Challenge, you implement AI bot for a two-player game. Your bot will be run against programs made by other participants, so it's basically a game tournament, but for bots. You don't need any experience or machine learning knowledge. You can use one of many languages like C++, Java, or Python. If you know how to code, you can participate. We start with some default code, so let's run it Peut-être and see what checker it does. celle-là. On the left, there was a match between two bots made by organizers. Now it's me versus boss one, bot made by organizers, and I lost 0 to 16 points. Not the best result. Let's see that again. You control a witch who brews potions and sells them for some price. We start with 10 resources of different types, and at the bottom there is a list of available recipes for potions. If I spend those resources, I will create a potion and sell it for 17 rupees or points. This would be a quite good move. My opponent just got 6 points. I would get 17 here already, but I do nothing, so it's 0 points. I lost. It won't be difficult to improve this code. We'll do that in a moment. On the left, there's statement, all the rules. You should read it, obviously. And at the very bottom, there is input-output description. This is what you have in this problem instead of API. If you look at program on the right, in infinite loop, it reads from standard input description of what is available, of what happens, your inventory, inventory of your opponent, what are available recipes, stuff like that. And then it needs to print the action. In the statement, they say, output is a single line with your command. It's either brew something or wait. Brew and ID of a potion. Let's modify this code then. ID, just I need to get this ID. We'll create it here. And as I read recipes with some price, action type, it is useful later, not right now. I will ignore all other types, all other things, and I will just say ID is action ID every time overwriting it. Let's run again. If I read information about multiple recipes, because I overwrite here, I will always do the last recipe, the last potion. It seems I'm winning 24 to 16, even though my program isn't really too smart. You can do much better than that. Like in many games, there's a league system here. You start from wooden league, then go up bronze, silver, and so on. While play my code button is only for testing purposes and your program is run versus bot by organizers, the yellow test in arena button submits your program. It also saves it on the server and it's run then against real players. If you rank high enough in the leaderboard, you get promoted to the next league. And there is no penalty for submitting like that. You can do that multiple times, so don't be afraid of submitting not perfect code. Let's do a sneak peek into second league. Not only you face more difficult opponents, but also the statement gets more complicated. There are new rules highlighted in green. We get here spells used to create new ingredients, resources, or change them one to another. And input-output gets more complicated. Because instead of just brewing, you can also cast a spell to get resources or rest to make your spells available again. Choosing proper potion to go for becomes more complicated because it's not only about price, but also how much time it will take you to get proper resources. Then next leagues are obviously even more complicated. Also, use last battles to see your games versus real players, especially games you lost. Or just watch a game between two players from the top of the leaderboard. See what strategies they are using. Yes, it is allowed to see their matches and copy some strategy. Here are my tips. Make everything simple. Small steps. Really small steps. You can come up with some complicated strategy of predicting your opponent's movements and then trying to get the same potion before him to leave him with unnecessary resources. But it's better to start simple. Just implement trying to getting the first potion. Don't plan anything, just make random moves. Just anything like that. Run your program, see if it does what you intended to do. If it doesn't work, then use some debugging. You can use error output
or you can use here something like that. If you play that, your witch will say it, not out loud, but you will see the message here, and then debug it. Okay? You don't want to write 1,000 lines, only then to see that nothing works. Yeah, we got something printed. And also CRR in C++ to print to error output. Some more complicated strategy might be to realize when the game ends and trying to then start prioritizing those potions that are very easy to make. To make that last potion before your opponent so they wouldn't get any points. No? Stuff like that. If you want more information, more tips, check out the challenge page. You will find here frequently asked questions. Basically, how much does it cost to participate? It's free. Who can participate? Everybody. That's really it. And here you can see Twitch schedule. There will be a lot of streamers doing it, not only in English. Check out my streams on Twitch. I'm Erichto, same on YouTube. And there are useful resources with more articles. See you in the leaderboard. Good luck. Bye. Ok, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. Qu'à cela ne tienne. 2 ligues bois, 4 ligues comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. Je suis en Ocamel, je sais pas comment c'est arrivé. Alors. Bon, je pense que le plus raisonnable est encore de lire le texte. Mon son faiblard. Ah, il est à fond. Mais c'est pas grave. On a des trucs magiques qui s'appellent des filtres. On peut rajouter du gain et vous explosez les oreilles. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il y a des ligues, il y a un tuto. Un tuto, ouais, ça, faut le dire vite. Il y a une présentation. Le but du jeu est d'avoir des roupies. Qui ressemble plus à des rubis. C'est sans doute une blague sur mon anglais. Alors, le jeu a lieu dans une boutique de potions dans lequel deux sœurs jumelles jouent à qui a la plus grosse marmite. Elles ont un concours, fabriquer des roupies qui ont des têtes de rubis. Des roupies selling, non, vendre des potions pour se faire des roupies et récupérer plus que la sœur. Toutefois, la hutte est fort petite, il faut qu'elle partage. Et elles ont les mêmes commandes. Nous avons un inventaire, d'accord. Chaque commande de client est une liste d'ingrédients requis. Il y a plusieurs tours, une action par tour simultanée. Il y a 4 classes d'ingrédients indexées de 0 à 3. Une espèce de goutte bleue avec un trou. Une espèce d'œil vert, une étoile orange et un triangle avec des reflets de triforce jaune. On démarre avec un inventaire plein de 10 ingrédients. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on verra.
L'inventaire est représenté par quatre nombres représentant la quantité de chaque classe d'ingrédients. On dirait presque un vecteur. 3, 1, 0, 0. Ok. Dans cette ligue, il faut faire deux potions de la liste des clients. La sorcière qui gagne le plus de roupies gagne. Roupies, rubis. C'est un peu bizarre. Toujours est-il que les commandes de clients ont un delta. Un delta. Un delta, bien sûr. Quatre nombres, un par classe d'ingrédients. Les nombres négatifs, c'est ce qui est consommé. Donc les nombres ne sont jamais positifs. Ok. On connaît les nombres relatifs, cela ne nous fait pas peur. Par exemple, une commande client à moins 2, moins 1, 0, 0 consomme 2, 1 et fait une potion. Le prix de vente et le nombre de roupies qu'on gagne, il est de 10. Ouh là là, ça sent le truc d'algèbre linéaire. La potion nécessite 5 ingrédients et vaut 10 roupies. Delta 0 et moins 2, donc il nous faut au moins 2 ingrédients de classe 0 dans l'inventaire. Check this with the 1-0. On verra. Les commandes des clients sont en file de gauche à droite. Il y en a que 5 à la fois. Si les deux sorcières font la même potion, le client est un pigeon et il achète les deux. Au début de chaque tour, il y a de nouvelles commandes. Ok. Chaque commande a un identifiant unique. On peut aussi passer un tour avec la commande wait. Oh, un joli sens interdit. Le jeu s'arrête lorsque une des sorcières a fait deux potions. Ok, ça c'est la ligue bois. Et le jeu s'arrête au bout de 100 tours. But du jeu, faire des roupies tout en évitant de faire n'importe quoi. Où ça? Ah non, c'est la coccinelle. Pour le debug, utiliser le hover, rajouter du texte après chaque commande. Regarder les options du viewer et utiliser le clavier pour contrôler les actions. Ah, c'est bien que pour une fois, ils le mettent en toutes lettres. La découvrabilité de ces fonctionnalités est pas totalement idéale. Bon, allez, ça c'est fait. Le protocole, bon, on va essayer de le voir au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'il y aura après? Des sorts pour générer et transformer les ingrédients. Et encore des sorts. C'est le retour sur Harry Potter. Bon, bah on va déjà lancer le code par défaut pour rigoler un coup s'il marche pas. J'ai perdu, mais il marche. J'ai perdu en deux tours. J'imagine que. Ah non, il fait brou zéro. Oui, c'est un coup. Est-ce que je fasse un truc impossible? Boss Rova. Et là, c'est quoi? Je sais pas ce qu'il y a là. Action invalide, ça m'a dégagé. Je pense qu'une action plus fiable serait le move 0-0. Non, ça n'aura pas changé grand-chose. Bon, allez, on s'y colle, on récupère ça. On le met dans un vrai éditeur. Bon, ça peut vaguement rester. Alors.
sorts et de recettes en jeu. Ça s'appelle des actions. Ok. Une fois par action. On a un paquet d'infos concernant l'action en question. En première ligue, donc on a donc que le type. Donc on peut faire Blue. Blue, si je me souviens bien, prend juste un identifiant. Et le fait, donc oui, en l'occurrence, le but du jeu ici, sachant que l'autre nous laisse gagner, va juste être de voir ce qu'on est capable de faire. Et de le faire. Et si je me souviens bien, le but est simpliste. Ah non, faut quand même faire le plus de roupies, mais par contre. Hein, bon, on va déjà essayer de vendre un truc, ça serait pas mal. Et ça nous prendra 3 heures, hein, parce qu'il faut réécrire les entrées-sorties. Nous sommes sur Coding Game. Deux fois. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon inventaire. Bon. On va commencer par ça. Donc, bon, je pense qu'effectivement, en algèbre linéaire, ça serait pas mal. Mais il y a à peu près zéro libre de ça. Donc, on va se définir notre vecteur. On va appeler ça P. On va commencer par là. Donc notre inventaire va en faire partie. Score derrière. Donc on va appeler ça bah, un. De tout ça. Et un score. Donc ça va nous faire ce qu'on va appeler un joueur. Avec un inventaire. Même le forcer et un score. Voilà. Et ce qui nous fait un. Bon, on va le renvoyer directement. Un joueur avec un inventaire et un score. Hop là. Avec un peu de chance, ça compile encore. Ça compile encore. Merveilleux. On va rendre ça un peu plus lisible. Ça, on garde. Hop. Ça compile encore. On va même vérifier que ça plante pas. Pendant ce temps, le reste des entrées. Oh là là, j'ai encore perdu. Le reste des entrées, nous avons donc ce qu'ils appellent des actions. Pour le moment, il n'y a que Brou. Des deltas, un prix, ça c'est des roupies,
Et le reste, on s'en fout pour l'instant. Donc, on va être très conservateur et appeler ça brew. Brew, sans forcer. Popopom, bah ça a donc un coût qui s'appelle Delta. Ça sent le coût quand il y aura des sorts, ça marchera un peu différemment. On va conserver le vocabulaire pour le moment. Donc ça a un delta, ça a un rendu, un rendement. Le reste, on s'en fout. C'est pas moi qui me moque, c'est l'énoncé qui le dit. Donc, tout ce paquet de trucs, epitaph, castable, taxcount, index price, on va assumer qu'ils ont fait un truc pas trop pénible. Non, si c'est déjà pénible, identifiant, il est numérique ou on s'en fout. Je crois qu'ils disent qu'il est numérique. Ceci dit, on va peut-être choisir de s'en foutre parce que ça va nous simplifier la vie pour le moment. On verra après. Pom 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 pom. Bon, c'est peut-être trop. On va voir. Donc une action. On va dire que ça comporte un identifiant d'action qui pour le moment va rester une chaîne. Ça nous évite de nous poser trop de questions. On voudrait pas apprendre des trucs par accident. Ensuite, on a un type d'action. Mais ça, je vais pas le garder, ça servira juste au moment du parsing, qui ne peut être que brew. Et ensuite, on a la brew. Donc, pour le moment, l'action est forcément une brew. On va pas compliquer plus que ça. Alors, input line, get line, non, ça va pas rester. Donc, le split, on a action ID. On va le faire différemment. Action ID, action type et le reste de la ligne. Oui, ça c'est moi qui ai pas inventé comme il faut. Le reste de la ligne qui est donc une brew hein, pour le moment. Et donc ce reste des éléments est donc delta 0, 1, 2, 3, 4. Un prix, un tome index, un tax count, un castable, un repeatable. Non, il n'y a pas de ça, c'est juste let. Sur le reste de la ligne. Voilà. Action type pour le moment est obligatoirement brew. C'est pas la peine de se définir un nom. J'espère que je ne me suis pas trompé. Comment ça? Ah oui, non, c'est juste. Hop! Donc on va définir notre action. Donc l'identifiant, action ID. Et notre action qui est donc une brew avec un delta qui est encore un vecteur. Et un prix. Un truc comme ça. Est-ce que ça compile? Miraculeusement, ça compile encore. C'est quand même un peu plus simple que ce qu'on avait au début. Le debug, on va s'en passer. On sait comment faire.
Un système IO contre le monade, oui, ils servent encore. Le type brew, c'est plutôt le type potion. Pourquoi pas, effectivement. Ça me va, mais d'un autre côté, c'est pas encore incorrect. Donc je le note et je le changerai à l'occasion s'il y a lieu. L'inconvénient de potion, c'est que c'est plus long à taper. Oh là là, j'ai encore perdu. Bah ouais, j'ai encore rien fait. Il serait peut-être temps de commencer à regarder ce qu'on a. J'ai un inventaire, mon adversaire aussi. Et on a une liste de commandes. Donc assez naïvement, le but du jeu serait d'arriver à faire quelque chose avec ce qu'on a, sachant que sauf erreur, il y a juste deux tours. Faut faire plus qu'elle en disons en deux brooms, mais comme pour autant que je sache, on récupère rien. Faut le faire tout de suite, hein. Donc on peut vraiment littéralement s'amuser à faire un maximum en brute force, en voyant quelle paire de deux parmi ce qu'on a là, on peut faire. Et on va le faire parce que c'est simple. Donc comment c'est? Oui, donc c'est la liste des actions finalement. Donc ce qu'on va faire. Je pense à haute voix, mais globalement on va récupérer deux actions dans la liste. Bon, on va commencer comme ça. Blablabla, tel que action 1 est une action. Évidemment, elles n'ont pas de nom. On récupère une deuxième action. On en fait deux fois trop, mais c'est pas grave, ça restera pas. Par contre, on va quand même vérifier que c'est pas la même. On peut le faire juste avec l'identifiant. Voilà. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va regarder qu'est-ce qui se passe si on fait les deux. Donc, il s'agit de, oulala, faire une somme. Donc on va vérifier que si on fait donc le delta des deux, à savoir donc le B delta de A brew A1, hop, je sais plus taper, plus le delta de A brew A2, plus mon inventaire, ce qui correspond à, qu'est-ce que j'en ai fait là, tout là-haut, P1 de self, soit positif, je sais pas, donc on va appeler ça VPOS de tout ça, sauf que non, en fait, ça c'est mon filtre. Donc ça va aller en fin de ligne. On vérifie que c'est positif. Et si c'est positif, ça en fait une action valide. Une action valide, je vais m'intéresser à combien de roupies elle me rapporte. Donc ça c'est enfin c'est le prix de l'une plus, enfin la valeur. Donc B yield de Abrou A1. Plus le B-Yield de Abrou A2. Ah, clavier français. Voilà, ça c'est la valeur que ça me rapporte. Je la renvoie, je voudrais la plus grande. Et je renvoie en outre les deux actions en question. Donc ça,
Ça me renvoie donc les choix de ce que je peux faire. Je veux le maximum. Donc c'est littéralement, on va prendre le maximum de ça. Et ça va me renvoyer une valeur des roupies que je vais ignorer parce qu'en fait j'en ai rien à faire. Et une et deux actions. C'est affreux, on va reformater ça d'une manière qui soit à peu près lisible. Hop, avec un. Hop, et fait pause. Ah, ça déborde un peu. Voilà. Donc ça ne va pas compiler parce que j'ai pas défini de VPOS. C'est pas très très dur. Donc VPOS de, comment on les appelle, P0 enfant et bon V4 un truc comme ça, il va me falloir. Hop, j'ai osé faire. Ah, horn de action. Oui, c'est exact. Du fait, il va me falloir de l'ordre ici aussi. Ça, c'est pas encore hack. C'est pas très dur. Et il me faut un ordre, oui, parce que je l'ai défini aussi. Et le num, par contre, le num, je vais le définir à la main. Pour le moment, j'ai besoin que de la somme. Donc, A, B, C, D, 4, E, F, G, H est égal à A plus E, B plus F, C plus G et D plus H. Ça compile, bon, il manque encore un paquet de trucs, mais ça. Ouh, il me manque la partie la plus intelligente, évidemment, ça serait de ne pas faire de wait quand même. Maintenant qu'on a récupéré deux actions, il va falloir en choisir une. Laquelle on prend? Ben, on prend celle qui rapporte le plus tout de suite. Donc on va prendre le max by je me souviens jamais, ouais, max by ou max on, je me souviens plus du nom de la fonction. Il n'y en a pas parce qu'on a un Haskell antédiluvien. C'est la vie. On va. Donc, quand le yield de la broue de A1 est supérieur ou égal au revenu de la deuxième potion. Eh ben, on choisit la première, sinon on choisit la deuxième. À la suite de quoi, on affiche brou espace et l'identifiant, c'est même pas besoin de faire un show, donc AID du choix. Hop, ça compile, on s'inquiète pas. Encore pour les avertissements, c'est les lits de bois, c'est du code jetable. Oh, j'ai gagné. Oh là là, quelle mauvaise, elle a fait les mauvais choix. Bon, je pense pas. Ah, tiens, ça s'appelle plus submit, ça s'appelle test in arena. Je pense pas qu'ils puissent exiger de nous plus que ça. Pour la ligue bois, sachant que de toute façon c'est pas vraiment possible de faire mieux que ça de toute façon.
avec l'info disponible. Donc, bah, on va attendre que ça passe dans la ligue supérieure. Pendant que je regarde où on en est, donc le Statements, c'est fait. Donc, Wood 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a. Je sais pas vraiment, mais si, pourtant. Non, pas les bombes. Donc, brute force optimal, enfin, local. Ambient optimal, ça marche, ça gagne. Et on va voir ce que ça nous réserve pour la suite. Oh, j'ai perdu un match. Est-ce que j'ai crashé ou est-ce que je suis tombé sur quelqu'un qui a la même stratégie? Oui, non, c'est pas perdu, c'est égalité. Ben oui, quand la stratégie optimale est pas trop compliquée. Faut pas rêver, je serai pas le seul à l'avoir. Boss Rova, je sais pas, c'est une référence à quoi. Bon, on se prépare. Derrière, il y a la boîte 2. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en boîte 2? En attendant, on peut toujours nettoyer le code, ça fait jamais de mal. Alors, oui, ça. Hop là. Oh, je suis meilleur que le boss. Peut-être vais-je être admis à passer en ligue supérieure. Soon. Voilà. M'y voici. Blablabla, le même texte qui sert à rien. On cherche les changements. Oh là là, 25 XP. Alors, cast spells, c'est un lien. Non, c'est pas un lien, c'est juste du verre. Pour transformer un ensemble d'ingrédients en un autre. Voir le l'énoncé mis à jour pour les détails. Donc effectivement, on l'a vu venir, s'il y avait des moins, c'est qu'il pouvait y avoir des plus, ça va vraiment finir en algèbre linéaire. Alors, oula. Maintenant, on peut faire cast, rest, ou toujours, bon, ça n'a pas changé, je sais pas pourquoi ils le mettent en vert. Nous pouvons encore opter de passer notre tour avec la commande wait. Est-ce que ça a un intérêt par rapport à REST présenté comme ça? Bon, on verra. Et un ensemble. Donc on a un inventaire et une liste de sorts qui peuvent servir à terminer un ensemble d'ingrédients en un autre. Oui, ok. Alors, 10 ingrédients. On commence avec des ingrédients pourris.
Quatre nombres, impairs, classe d'ingrédients. Les nombres positifs. Oui, enfin intuitif, quoi. On va arrêter de se poser trop de questions. Quand on a jeté un sort, il est épuisé et on peut pas recommencer. Certains sorts ne consomment pas d'ingrédients, ils ne font qu'en produire de nouveaux. Ok, je pense que j'ai compris. Ça n'a pas changé. Maintenant, il faut faire trois potions. Toujours 100 tours. Et en plus, on gagne une roupie. J'imagine que c'est à la fin du jeu. Ok, alors on a Castable qui, pour autant que je comprends, ne sert que pour les spells. Mais on va vérifier quand même. On n'est jamais trop prudent. Donc. Bah, il va falloir effectivement que j'arrête de lire toujours Brou et que je lise le type de l'action. Le reste, on le lit indifféremment. Donc, mon action ne va plus toujours être une Brou, effectivement. Donc mon action va avoir le type d'action. Donc on va mettre un type. On n'a pas de raison. Donc soit. Bah, c'est l'Action Brew, on va la garder. Soit on peut avoir un cast avec une spell, donc c'est effectivement là que le conseil de Jooms va prendre de son intérêt. Et on peut avoir une Action Opponent Cast, toujours avec une spell. Il faut la totale. Chou, Horn. Hop. Personne ne m'a fait de remarque. Avec ces lignes qui roulent, c'est pas super lisible. Donc j'ai défini mon type d'action. Où c'est que ça compile pas? Spell, j'ai pas défini. Et bah on va le faire. Donc un spell, bah, c'est presque comme une brew, sauf que on peut avoir des nombres positifs, mais ça va pas changer le monde. Voilà. Ah! Clavier français, j'ai perdu l'habitude. Donc S, ben on va l'appeler quand même Delta. Et on a un yield encore? Non, je pense pas. Mais ce sera vérifié. Par contre, on a un castable qui est un booléen. Ça tient en une ligne. Ok. Donc ici, eh ben,
Donc à l'heure actuelle, il y a un delta quoi qu'il arrive. Donc on va le définir une fois pour toutes et s'éviter de le retaper. Par contre, l'action, va dépendre de l'action type. Donc on va récupérer notre brew ici, auquel cas notre action est une action brew de brew, donc delta price. Ça va pas changer, c'est ici où je me mettrais bien une petite vérif quand même. On va la faire après. On a maintenant un cast. Donc un sort delta et castable. Et on a un opponent cast qui est à peu près la même chose. Et ça passe plus sur une ligne, mais pas loin. Et donc c'est plus ça, mais une action ici. Est-ce qu'un truc pareil compile? Il n'y a pas d'action case, c'est un cast. Un brew. Oui, effectivement, ma logique va plus du tout marcher. Encore que je pourrais la faire marcher, il faudrait juste que j'aille ne le chercher que sur celles qui sont des brews. Et ça, c'est pas trop trop dur. Il suffit de récupérer une action. On peut garder A1 et ici on veut une action brew de quelque chose. Hop, il n'y a plus d'ID, ce sont directement des ID. Et maintenant, on veut que soit positif. Ah, bah, il faudrait que je la récupère, maman, quand même. Donc, B1, B2, ça, on se remet à tenir sur une ligne. Donc les deltas. Il faudrait en plus des identifiants que je renvoie le prix. Auquel cas, bah c'est A1. A1 et donc ça c'est un ID. Et le prix, donc c'est le bah, P1 qui est le B price de B1. L'ID et le B price de B2. Donc il n'y a plus besoin de. Hop, ça c'est devenu. C'est pas du tout. Ah là là, personne ne me dit rien. Donc ça c'est P1. Ça c'est P2. C'est ici qu'il faut renvoyer à 1, B price P1. Non, virgule, c'est la virgule qu'on coupe. Et à 2, non, pardon, virgule, B price B2. Oui, j'ai oublié de remettre, donc si P1 est supérieur ou égal à P2, on prend A1, sinon A2. Qu'est-ce que j'ai raté? BI, oui, ça n'existe plus, c'est devenu B1, pareil ici. Et B price, oui, c'est pas un price, c'est un yield. Et même topo ici. Et effectivement, on
mais directement pique. Hop. Donc là, on a mis à jour pour les entrées de la Ligue 2. C'est pas gagné. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai pris un maximum. Peut-être qu'il y a un moment où je peux plus rien faire. J'en suis à quel tour? Tour 1, non, tour 1, c'est pas gentil. Ah oui, bah, c'est quand même parfaitement logique. J'ai que 3 ingrédients pourris, je ne peux rien faire, c'est vrai. Il va falloir réfléchir quand même un peu. Sachant que le but du jeu est d'avoir plus que l'autre, on va surtout privilégier ce qui peut être fait en le moins de tours possible. C'est quoi l'heuristique pourri dans ces cas-là? C'est pas comme si une recherche exotique serait très compliquée. On va peut-être pouvoir la garder en fait. On peut la garder, mais ça serait écrire une simulation dès la Ligue Bois 2. Bois 1. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Donc, bon, on n'aura pas la totalité de l'info, mais on peut quand même juger d'après ça. Donc, ben, on peut faire ça. Donc, on va avoir un état, c'est moi. C'est un adversaire et c'est les commandes connues, à savoir bah, une liste d'actions. On va éviter la typo pourrie tout de suite. Alors. Cet état, il a des descendants. Quels sont-ils? Eh ben, on va prendre les actions une par une. On va ignorer l'adversaire pour le moment parce que c'est un boss. Il est gentil. Et il nous laisse gagner. Donc on va juste faire le maximum d'après la visie qu'on a. Pom, pom, pom. Donc ça va être suroptimiste, mais ça a quand même une bonne chance de marcher. Donc on choisit l'action parmi bah, les actions. Si c'est une action adversaire, on va rien en faire. Donc on va vérifier son type. Et type. Donc si on va. On en a trois. Action brou. D'une potion qu'on appelle une brou. Quel va être mon score? Oui, c'est vrai que voilà, j'ai décidé d'ignorer l'adversaire. Je vais le faire jusqu'au bout pour la logique du raisonnement. Faudra juste l'éliminer dans les actions. Donc si c'est une brou, bah, il faut vérifier qu'on puisse. Donc. La logique était donc, on avait appelé ça que le vecteur est positif de mon inventaire.
self plus la valeur de la broue, à savoir delta. Voilà, ça vérifie que l'action est possible. Et si elle est possible, on renvoie. Un nouvel état avec moi. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais changé? J'aurais changé que j'aurais un meilleur score et pas le même inventaire. Donc en fait, on va appeler ça le nouvel inventaire. Et moi, j'aurais aussi un meilleur score. Oui, donc en fait, c'est pas vraiment la peine d'en faire un st-self. C'est un player 9, un nouvel inventaire, et on va se rajouter la valeur. Il me faut en outre la nouvelle liste des actions où on va éliminer l'action brew en question. S'appelle delete, delete B. Non. Delete action. J'ai pas besoin de la nommer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? Hop, bon, tout ça va crasher dès qu'on aura autre chose que brew. Il faut se rajouter le cas spell, comment on appelait ça, cast. Donc ça va marcher à peu près pareil. Il faut vérifier qu'on puisse le faire. Par contre, bah, le score ne va pas changer et il faudrait qu'elle soit castable. Sinon, ça marche pas, sinon elle sert à rien. Il faut renommer 2-3 identifiants, c'est donc un spell delta. Il n'y a pas de yield, le score ne change pas. On s'intéresse qu'à moi ici, je vais peut-être.
simplifier tout ça. Voilà. Bon, c'est pas mal ça. Alors, opponent cast, on s'en fout. Et avec tout ça, on va quand même pas pouvoir faire grand-chose. Il nous reste une action qu'on n'a pas encore déclarée, l'action repos. Quand on se repose, on récupère un joueur avec le même inventaire. Ah oui, il va falloir le changer. Donc oui, quand on a des sorts, faut pas l'enlever, il faut le changer. Ce sort. Et comment on désactive? Parmi la liste des actions. Et ben si c'est une action dont l'identifiant je me souviens plus comment on fait ça, tant pis. Bon, si c'est une action d'identifiant ID et de catégorie action cast, un spell avec. Bon, on s'en fout, mais il nous le faut. Et que l'action ID est égal. On va mettre un petit prime ici. Est égal à l'action ID de l'action en cours. C'est trop long pour une ligne. Et ben, on la désactive, ce qui signifie qu'on renvoie l'action avec le même ID, mais qu'ici on modifie pour que ça soit plus castable. Autrement, on fait rien. J'ai pas fini ici. Donc si on se repose, eh ben on va rendre toutes les spells castables. Donc on va changer le joueur, mais son inventaire change pas. Il bouge pas, par contre, dans les actions. On va les activer. Toutes et sans discernement. Donc pour ça, bah, je vais peut-être le définir en fonction externe. J'ai une fonction action action qui active les sorts.
et activer n'importe quelle autre action ne la change pas. Qu'il y ait quelque chose, quoi que ce soit, qui ne soit pas un spot, un sort à soi. Le sort d'autrui, on va pas s'en inquiéter pour elle. Ça, c'est une erreur que je continuerai à faire. Action rest, je ne l'ai pas défini. Allons-y. Donc celle-là, elle peut pas être dans les entrées, mais je vois pas pourquoi on ne s'y ouvrirait pas. Action, spell, enter. C'est toujours pareil, c'est action cast. Je suis vraiment moins d'avoir fini de la faire. Bon, bah une fois qu'on a ça, on... On suit et on voit ce qu'on peut faire, donc tout ce qu'on... Donc une fois qu'on a ça, on va faire une petite recherche dessus. Quel genre de recherche on veut faire? Est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que c'est qu'on veut faire? On va avoir le meilleur score le plus tôt possible puisque ça coupe à 3 potions si je me souviens bien, à 3 potions ou à 100 tours. Ah oui, sachant qu'il y a aussi ça, bon c'est peut-être pas discriminant maintenant. Donc, bon, on va se définir une fonction de valeur qui a un jeu là, un ST associé à un int. Cette valeur est donc la valeur de mes roupies, donc mes player score de moi-même plus la somme des, donc ça c'est le V inventaire value on va dire la valeur de, bah, de l'inventaire de mon inventaire qu'il faut que je définisse aussi quelque part par ici. J'ai une valeur et maintenant, ah, c'est quand même pas encore idéal. Le type de recherche que je veux faire là-dessus. Parce que si j'ai l'action repos et l'action cast, ça peut chercher longtemps. Donc, quelle est la manière de pondérer tout ça?
On va peut-être juste faire une recherche limitée en profondeur. Ce qu'il faut, c'est que j'ai suffisamment de visibilité pour voir quand c'est que j'arriverai à faire un sort. Donc c'est peut-être ça qu'on va faire finalement. On va faire une recherche qui s'arrête sur les sorts, qui cherche un sort. Mais il faut quand même une limite. Donc on va faire une recherche qui me ramène le sort le moins profond. Donc ça va être une recherche en largeur. Allons-y. Donc tout ça, c'était de la ligue bois. On élimine. Enfin, bois 2. Et on va choisir donc en recherchant largeur sur donc notre but est un brou n'importe lequel et ensuite on les classera par enfin on s'arrêtera que sur les brous et on les classera par valeur. Et en partant de ben, l'état actuel, c'était 0. Ah, chaud, ça va pas aller. Comment on appelle ça? Format, export, serialise. Voilà, ça fait un petit paquet de choses qu'il va falloir que je définisse. Donc il va me falloir un BFS, bon je vais le mettre en bas, il y a plus de place. Donc mon BFS prend une fonction qui me renvoie si j'ai un état terminal, j'ai un état de départ, et qu'est-ce que je veux qu'il me renvoie? Il me renvoie le score et la première action. C'est ça que je veux. C'est ça dont j'ai besoin. Donc le but, on va le définir ici. Donc le but d'un état, c'est... Ah oui, mais non, c'est nul ça. Et je peux pas le passer comme ça. Bon bah tant pis, on va faire 100. C'est une recherche sans but à partir de ST0. Et donc ST0, bah, c'est mon état actuel. Donc à partir de self. Et il me manque un argument qui est la liste des actions. Format, je l'ai pas, on va le définir quelque part par là-haut, à côté des actions, ici. Donc, ça prendra qu'une action, ça c'est moi qui me suis fourvoyé derrière. Donc, sur une action qui a un identifiant. Et comment ça marche pour lancer un sort? Faut juste le... Pour Wecast, faut juste mettre l'identifiant, sinon c'est rest et wait. Ok. Bah donc on va avoir un action type. Je sais plus comment on l'a mis. Ça s'appelle A type. Oui, ben bah, pourquoi
qu'on s'embête, voilà. Donc si c'est une brou, on renvoie brou et l'action, et si cast, on renvoie un cast et l'action avec un identifiant int. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a opcast, ça peut jamais être moi qui le fais, je vais le garder en erreur exprès. Par contre, on peut se reposer. Auquel cas, bah, on fait juste ça. Pas se compliquer la vie. ActionBrew a un argument, ActionCast aussi. Ensuite, il me faut une action. Oui, donc le pic. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Ouais, si, pour le moment, on va pas s'embêter. On s'embêtera s'il y a besoin. Donc, on va vraiment littéralement renvoyer la première qui passe en triant sur la profondeur. Et il va me falloir me définir la recherche. Donc, j'ai l'état de départ. Donc on va partir avec une liste vide, on va se prendre un... et avec une file qu'on va implémenter avec une liste pour le début, parce que on est en bois, on va pas s'embêter. Alors, si on se retrouve dans un état dans lequel on était déjà, donc je vais quand même me définir donc si cet état a déjà été rencontré, on ignore, on passe à la suite. Il faut garder la liste. Si cet état est un but, mais non, comme je veux m'arrêter sur les sorts, ce sera fait au moment, à l'autre moment. Si, bah, sinon c'est tout en fait. Sinon c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Miaou? Oui, je suis occupé là. Oh là là, sale bête. Et donc je veux du court-circuit sur la fin, donc s'il faut quand même que je me le mette. Ben c'est vraiment si il n'y a pas d'action faisable de brou maintenant. Qu'on recurse sur la suite. Donc j'insère, c'est le contraire, mon état dans les états vus et on rajoute derrière les nouveaux états. Sachant que si je veux envoyer l'action qu'il me faut pour ça, il va falloir que je la garde. On va pas s'embêter. C'est juste que ça va pas être une action pure comme ça, ça va être un état avec une liste d'actions. Voilà. Alors.
Ouais, j'avance pas parce que j'ai un chaton qui me distrait. Il est à 10 cm du clavier. Il est bien élevé. Il contourne le clavier. Par contre, il se met entre moi et l'écran. Je ne vois plus rien. Bouge, chaton. Tu déranges Internet. Pousse-toi. Mais non, c'est pas le moment de ronronner. Ou alors tu t'allonges. Baisse-toi. Encore. Encore. Mais comment voulez-vous coder dans des conditions pareilles? Tu veux pas aller chasser? Non, pas chasser mon pointeur de souris. Pousse-toi. Je sais plus du tout où j'en étais. Ah, un BFS. Bon. Un BFS où on va garder le chemin. On va. J'ai pas envie de m'embêter à faire un truc intelligent pour garder que le premier. On va garder le chemin entier. Donc vraiment littéralement Q et Q prime qui faudra que je définisse plus tard. Et on va le faire dans l'autre sens. D'ailleurs, on va mettre les notes nulles d'abord. Donc et on va bah, toutes les renvoyer en fait, hein, pas trop s'embêter, et on les triera au-dessus, donc ça va me générer une erreur que je gérerai après, et donc dans l'autre cas, et bah, c'est la récursion standard du BFS. Qu'est-ce qui me manque? Alors je vais avoir bah, les actions brew ou pas brew parmi. Ah. Les enfants de l'état en cours. Ceux qui sont bons, on les renvoie en direct. Ah oui, mais c'est ça. Je veux pas vraiment la liste. Faut que je sépare ça. Donc on va le séparer. On a l'état donc hibou. On va devoir séparer les actions des états. Donc c'est une liste d'actions. Donc actions. C'est dans l'état ça, les actions, oui, je crois. Comme ça, il me la faut quand même. Qu'est-ce qui me manque? Des imports, ça, c'est facile à régler. C'est exact. Donc ça envoie une liste. Ça envoie une action. Il va falloir que je fasse le tri quand même. Donc ici, il faut que je me définisse mes fonctions. Donc on n'y échappe pas. Où sont mes children? Ils sont là. On va faire ça différemment. Children ST. C'est map next st
à la liste d'actions de ST et next ST avec une action donc on le reprend ici et on a l'action en direct. C'est que je n'ai pas défini. On va rajouter un peu de type. Donc les enfants, c'est ST. On voit une liste de ST. Et next, c'est un état et une action renvoie un état. Jusqu'ici, on est d'accord. Donc il y a un B delta, c'est une banquée jusque-là. Et P1, ça doit être lui qu'il me manque, c'est P1 de STself. Hop, plein d'erreurs en moins. Hé. Il n'y a pas d'action à tous les coups. Ce qui en fait un map maybe qui va me demander un import. Hop là, ça avance. Est-ce que ne peut pas pique d'action, oui bah ça va plus être une liste d'action, j'ai encore changé d'avis. Alors oui bah c'est parce que je renvoie ça, donc ça compilerait avec ça, mais c'est très très mal. On y reviendra. Ce serait mieux avec des X. Et il renvoie ST et autre chose. Oui, donc c'est même un FST de ça. Non. C'est quoi notre type? On a un ensemble d'états, une liste de d'état et de liste d'action. Et on voit que ça renvoie une action, c'est ça la logique. Ah oui. Le premier état, il faut lui adjoindre une liste d'action vide, c'est notre état initial. Alors encore, ah oui, c'est que ça, c'est une liste d'actions. Donc, eh ben, il faut choisir le maximum on. Oh, chaton, tiens, fous-toi ailleurs. C'est pas le moment d'être en manque de câlin là. Hein. Le code n'attend pas, c'est Coding Game qui l'a dit. Ah, là, ça va, à part ta queue, baisse là aussi. Non, baisse, c'est le contraire de ce que tu fais. Ah! Je te fais plus de place, hein, si tu te baisses. Deal. Ouais, comme ça peut aller. Hop! Alors, maximum on, ça existe, ça? Probablement pas, on il y a un maximum by, c'est mieux que rien. Alors, maximum by, comparing game value, je crois qu'on a défini. Game value sur next
ST de l'action en question, voilà. Ça va pas du tout. Bon, on va finir ça avec comparing, ça on peut l'avoir. Avant de finir. Brew, c'est quoi? C'est on partitionne sur ce qui est une brew parmi les actions. Donc si on en a. Ah oui, mais il faut en plus qu'elle soit. Ouais, c'est vraiment nul ça. Enfin, c'est vraiment pas adapté à ce que j'en fais. Alors. C'est que pour bois, mais ça commence à faire beaucoup de réflexions que pour bois. Bon, bah c'est que pour bois, donc je vais arrêter de me prendre la tête et faire un truc ultra gore. Et je vais me rajouter dans mon état. Est-ce que c'est juste boule, est-ce que j'ai fait une brou ou pas? Et ça va me simplifier tout ça, quelque chose de bien. Donc, et ben voilà, c'est exactement ici que on va mettre ST mode à trou. C'est pas ici qu'il faut le mettre. Mais ici, hop, ça passe à trou. Quand on fait une spell, ça c'est complètement incorrect aussi, mais dans le contexte de ce qu'on fait, ça va aussi. Quand on fait une spell, c'est à faux. Et quand on se repose, c'est à faux aussi. Pousse-toi le chat. Regarde, je mets la souris de l'autre côté. Ça, c'est parce que mon état ici démarre à false. Non, sérieux. Hop! Et tu seras très bien ici aussi. Alors. Némi, ST, oui. Ah, tu reviens. On va commencer à faire du lancer de chaton. Donc, épreuve numéro 1, 2 mètres. Donc, on était en train de dire, bah, finalement, ça va me mettre un vrai état terminal ici. Donc, si ST Brood, c'est la fin, c'est l'état qu'on renvoie et on renvoie la dernière action qui a mené jusqu'ici. Ça m'évite de faire cette horreur ici, ça c'est très bien, on élimine ça aussi, et qu'est-ce qui manque? Il manque Q', donc Q' va être égal à bah, la liste filtrée des enfants, filtrée ou pas. Oh, allez, si, donc. Donc, qui n'est pas dans la liste de nos états clos des enfants de ST. Il me faut une liste d'actions absolument.
Et bah pourquoi pas dire que c'est Children qui va nous le renvoyer. Quel cas, donc map maybe. On a une action et on fait next st a et on va lui adjoindre l'action, donc hop, avec un petit opérateur pour int. Voilà. Donc la liste de mes enfants me renvoie une action avec. Donc on filtre sur le fait que la bonne partie soit au bon endroit et on y ajoute la liste des actions, ce qui va s'appeler, et on va y rajouter, voilà, la liste comme ça. Il n'y en a pas vraiment besoin, mais c'est plus simple que de réfléchir. Ça n'existe pas forcément. Alors, les états sont pas ordonnés. Ben ça se change assez facilement. Maintenant, ils le sont. Les joueurs ne sont pas ordonnés. Ça devrait pouvoir s'arranger aussi si seulement je trouvais où je les avais définis. Et autre chose. Non! Ouh là là, ça compile. Et bah ça faisait un moment que ça n'avait pas compilé. On va pouvoir lancer ça. Oh. Ligne 61, une action inconnue. Et bah, qu'est-ce qu'il y a comme action que je connais pas? Cast, opponent cast ou brew? Cast, opponent cast ou brew, je les ai tous. Comment est-ce possible? Donc, un autre. Eh ben, montre-toi. Alors, j'ai une action. Montre-moi la suite, s'il te plaît. Donc, c'est un cast. Ah, c'est parce que j'ai déclaré ne m'inquiéter que des castables. Et bah, s'il n'est pas castable, elle va se faire ignorer aussi. Hop. Alors, ligne 116. Oh, j'ai épuisé ma recherche. C'est pas de bol, mais il va falloir faire un choix quand même. Auquel cas, pourquoi est-ce que je m'embête? Je m'arrête sur les brous, mais j'ai le droit de garder les autres états aussi. Donc on va tout renvoyer.
Non, il faut quand même le faire ici. Ah, Burke. C'est ça que je gagne pour avoir changé de stratégie trois fois pendant que j'implémentais la même chose. Donc, je désirerais modifier ma recherche pour qu'elle me renvoie tous les états intermédiaires. Mon souci est que pour le moment, ma recherche ne renvoie pas un état, mais une action. Donc, ce qui va se passer, ben, on va quand même renvoyer les états et les actions. Donc, on va vraiment renvoyer comme ça. Brut. Pour éviter d'avoir à tous les évaluer, on va renvoyer les états et les chemins qui y mènent. Et ça va donc être ben, un pic, c'est l'action. Donc on va appeler ça best et action égale, j'écris maximum pour le moment, mais c'est faux, faudra que j'aille extraire la bonne info. Du BFS. À partir de là, ça va être un format de la dernière des actions qui correspond au début du chemin du BFS. Ceci étant fait, on n'a plus qu'à l'implémenter. Donc, où c'est que ça sera? Bah, effectivement, ici. Ça change de type. Dans le cas de Brood, on a fini, on va juste renvoyer littéralement l'état où on est, le chemin qui va avec. Donc là pour le moment on a pareil et le changement qu'on opère va être que tous les états transitoires vont être renvoyés aussi. Voilà. Maintenant corriger mon maximum. Où est-il? Il est là. Donc je ne veux pas le maximum suivant l'ordre par défaut des états qu'on a définis ici. Je veux le maximum d'après la valeur de cet état que j'ai défini ici. Donc ça va être un maximum by comparing game value du premier. Voilà. Loop. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Loop. Bon, on va regarder les derniers trucs qu'on a changés. C'est que j'ai mis Salut, Mister Mopi 5002.
Tu as le droit de me dire où j'ai fait mon erreur. Parce que pour une fois, j'ai quand même pas trop fait de blagues sur l'autoréférence, c'est pas juste. Donc on va plutôt chercher l'endroit où j'ai redéfini quelque chose par accident. On va éliminer les warnings et en activer un peu plus. Donc celui-ci, on est content qu'il soit là. Effectivement, si je les avais activés plus tôt, cette ligne est maintenant redondante. C'est très bien. Ensuite, j'ai mon instance de num. Alors, on va l'écrire d'une manière assez simple. La multiplication va pas être définie. La valeur absolue pourrait l'être, mais plus tard. Et negate ou moins, negate. Hop. Et maintenant, on va activer un peu plus de warning. Alors, ouais. Hop, en moins, ici, c'est pas exhaustif, c'est exact. Mais action upcast, ça n'aurait aucun sens. C'est pas moi qui vais faire les actions pour l'autre. Action upcast, un argument qu'on va ignorer autant qu'avant. Mes actions définies mais pas utilisées. Alors ça c'est pas mal. Je n'utilise pas les actions. Ça c'est probablement une erreur ailleurs, faudra aller voir. Celui-là n'existe pas, je pense que ça marche si. Voilà, on met un petit underscore devant. Répétable non plus. Alors, ça par contre, il faudra vraiment vérifier. L'adversaire, je m'en sers pas pour le moment. Et effectivement, action A, c'est ça, je la redéfinis ici. Bon, on va appeler ça un chemin à la place. Et en plus, c'était des actions aussi, donc c'est probablement ça, mon erreur de loop. Qu'est-ce qui reste? Action type. Effectivement, bon, bah, dans ce cas, on va mettre quelque chose pour l'autre. Une vraie erreur utile. Best ne sert pas, c'est exact. Et pattern match non exhaustif, qu'est-ce qui me reste? Bah, la fin. Et ça, c'est un cas d'erreur pour nous, donc comment ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout une erreur. Quand on arrive au bout, on renvoie rien, mais comme on fait le maximum dessus, de toute façon, il faudra que je traverse tout. Voilà. Si ça suffit pas. Alors, comment ça marche? Ça va trop vite pour moi. Donc j'imagine
Ça nous dit pas ce qu'elles font. Je fais cast 78, c'est celle-là. Hop, ensuite, je fais cast 79, d'accord. Ensuite, je fais cast 80, ok. Ensuite, je fais cast 81, nous sommes d'accord. Ensuite, je fais... Ah, ensuite, je fais rien parce que j'ai crashé, d'accord. Donc, on va chercher le last. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai pas inclus le repos dans la liste des actions possibles. Parce que le jeu, ce petit rigolo, ne nous la donne pas. Et ben, on va la rajouter. Donc, ici, les actions, on va rajouter. Bah, action avec ici on s'en fout, ça servira pas. Et l'action de repos. Undefined, ah pas mal. Alors lequel? 119. Ah bon. Pourquoi pas? Je me souviens pas à quoi il pourrait servir, mais s'il me le dit, c'est qu'il s'en est servi. On va pas lutter contre ça. Ah, bah voilà, ça marche mieux. Bon, j'ai aucune idée de ce que je fais, puisque c'est une recherche, mais c'est déjà mieux. Et ben, on va soumettre ça. Si ça crache plus. Bon, mais ça a pas l'air trop mal, ça. Ça va probablement prendre un petit moment, mais... Mais voilà, ça monte petit à petit. Donc contrairement avec ce qu'on a fait en bois 1, c'est plus du tout optimal, mais c'est quand même pas trop mal. Alors, c'est le moment de voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un BFS. On va appeler ça single-sided. Ça va pas très vite les last battles quand même là. On a connu ça plus véloce.
Enfin bon, globalement, oui, j'en ai pas perdu une seule. Ça devrait assez bien se passer, ça va juste ramer. Mais ne sachant pas ce qui nous attend derrière, on va pas pouvoir préparer grand-chose. On va jouer aux devinettes ou on va nettoyer le code un peu, ça fait jamais de mal. Oh, j'ai perdu une bataille. Je vais me permettre de ne pas l'analyser. Alors, je me demandais quand c'est qu'il était venu. Ah, mais non, je suis bête. Je me posais la question tout à l'heure de pourquoi mon undefined ne marchait pas, mais c'est tout simplement parce que c'est un champ strict. Ah, mais non, même pas. Non, alors je ne sais de nouveau pas pourquoi. Qui c'est qui a été l'évalué? Non, ça devrait pas. Je vois pas le boss, c'est normal ça. Faut aller en leaderboard. Mais il est où le boss? Ah oui, d'accord, on est tellement au-dessus, oula, on est tellement loin au-dessus qu'on ne le voit pas. Il y a beaucoup de monde qui va passer d'un coup. Donc on se bat entre nous, mais ça sert à rien en fait. Eh bien, soit. Oui, là le boss, on n'aura pas vu grand-chose de ce qui nous, de sa stratégie. Ouais, je suis en bois 1. Donc après c'est bronze. Et il n'y en a plus pour bien longtemps. Alors.
Ouais, bon, j'espère qu'on n'en viendra pas là, parce que j'ai la flemme, je resterai jamais motivé assez longtemps pour tout réécrire. Mais on verra. Bon, donc ça, c'est vraiment un BFS, tout ce qui est plus basique. Et je préfère le garder basique que de me poser beaucoup trop de questions par rapport à ce qu'on fait après. Donc, qu'est-ce qui nous attend après? Eh ben, il semblerait que ce soit learn. Donc je pense qu'on peut commencer à définir ça. Ici, il va y avoir une action learn avec je sais pas quoi. On va voir. Implémenter un BFS seulement en bronze. Ouais, mais moi j'ai pas trouvé l'heuristique magique qui permettait de passer 100, donc voilà. Star ou BFS, ça on verra quand on aura l'énoncé complet. Mais pour le moment, j'ai quand même un peu peur que ça ne devienne un simple entre guillemets problème d'optimisation linéaire. Qui serait assez ennuyeux en fait. Pas enfin bon, on verra. VPOS, c'est pas une position, ça veut juste dire positif. C'est pas le meilleur nom de fonction possible. En même temps, V, c'est pas génial non plus. Donc on pourrait commencer à appeler ça d'une manière un peu plus pertinente. Qu'est-ce qui serait plus pertinent? Que V, on pourrait appeler ça que sais-je? C'est une forme de monnaie, mais c'est de la monnaie multidimensionnelle. Ingrédient, l'ingrédient c'est beaucoup trop long. Mais bon, on va peut-être faire ça quand même. Alors, bon, pour le type, on va dire que ça peut aller. Alors, on va appeler ça ingredients, mais seulement pour le type, parce que sinon ça va être trop long. Ici, on va appeler ça i, parce que c'est plus court. Ça complique toujours. On va rajouter un peu de. Tu veux pas t'aligner? P0, P1, P2, P3. Je crois qu'en fait je m'en sers jamais. Donc on va pas s'embêter à les nommer. Ah si. Ah, si c'est la seule fois.
Si c'est la seule fois, je pense que c'est quand même une bonne affaire. Hop, bon, du coup, ça tire en une ligne. Mon instance numérique, je pense que je pourrais vraiment m'en débarrasser. Ça serait plus intéressant de juste me définir la seule opération qui me sert, la somme. Ah, mais non, non, je vais attendre quand même de voir où ça va. Avant de me commettre à des choix comme ça. Alors, un joueur, ingrédient, score, bon, bah, y a pas grand-chose à en dire pour le moment. Action, edit, ouais. C'est long, hein. Stock. Ouais, bon, il y a l'inventaire, ça marche aussi. Pour le moment. Alors, la broue, potion. Ouais, allez, j'admets que ça colle mieux pour le moment. On va remplacer ça. Ok, ça déborde, c'est moche, on simplifie ça. Et c'est vrai que quand même, pour le moment, il y a quand même un gros parallèle. On va voir un peu plus tard si on n'a pas intérêt à généraliser tout ça. Hop, ça tenait pas sur une ligne. Non, ça tient pas sur une ligne. Bah, deux. Il est loin en dessous, 81%. Il en est où ce boss? C'est long, c'est long, c'est long. Donc il y aura learn avec un ID, donc je pense qu'on peut déjà faire la partie format. Si vraiment on est en forme, on pourra factoriser un peu ça. Donc un warning en moins, et il en reste à savoir ce que ça fait qu'un learn, mais ça. Il va falloir attendre la suite. Est-ce que j'ai quelque chose de plus intelligent à faire? Ah oui, je voulais des asserts. C'est dans quel livre déjà ça?
Ouais, il y a un assert là-dedans, il y a un assert. Oh, je pourrais aussi prendre le temps de réorganiser tout ça. Je vais trier mes imports par ordre alphabétique. Parce que vraiment, on s'ennuie. Hop là. Donc mon assert, il est où? Il est là. Donc je voudrais un assert. Je disais tout à l'heure, vérifier que tout ça est à zéro. Ouais, non, on va leur faire confiance. Ouais, j'ai la flemme, on va leur faire confiance. Pas d'assert. Encore. Je me le garde en réserve, ça viendra peut-être. Pas qu'on s'ennuie, mais quand même un peu. C'est des matchs de Wood, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les regarder. En plus, c'est quand même pas mal abstrait que de regarder ça. Les trucs intelligents qu'on pourrait faire pour plus tard, ça serait de regarder c'est quoi les probas de génération des clients. Mais bon, je suis quand même effaré parce que ça a quand même trop l'air d'un truc d'optimisation linéaire qui va se finir en assembleur. Et ça va pas être très très rigolo en fait. Ah, je me paye une victoire contre le premier qu'une fois qu'il est promu. C'est vraiment trop injuste. Ouais, ça y est, je suis premier. J'aurais bien eu envie de dire avec mon heuristique foireuse, mais je l'ai pas trouvé à temps. Qu'importe. Ça s'approche, ça s'approche. Alors, pour bois 1, Jooms nous suggère d'utiliser une fonction récursive. Oh, je suis promu en bronze, enfin. Pour trouver les actions à faire, mais ça dit rien, ça. En partant des ingrédients les plus chers. Alors, encore 30 secondes. Et on va pouvoir voir de quoi la ligue bronze est faite.
Youpi youpi. Oui, j'ai gagné 50 XP, mais fantastique. Alors, on peut faire du multicast dans le même tour. Et on peut apprendre des new spells. Ouais, enfin, si c'est que ça. Voyons donc tout ce qui nous attend en vert. Learn new spells. Alors, voyons les détails. Donc, on a Learn qui permet d'apprendre un sort depuis le tome magique. Alors, on peut apprendre n'importe quel nombre de spells pendant le jeu. Et il y en a qui sont répétables. Les mêmes sorts basiques sont dispo au début du jeu. Ça me paraît plus informatif que. Oh oui, merci les amis, j'aurais rien pu faire sans vous. Bronze, enfin. Donc, quand on cast, il va falloir choisir combien de fois on répète. Faudra d'ailleurs vérifier. Bon, on verra. Alors, le tome magique est volatile. Il sert qu'une fois. Wow! Le retour des slashers. Ah, c'est pas mal ça. En jeu de plateau. Bon, c'est courant aussi. Donc c'est le moment où effectivement il va commencer à y avoir un petit peu d'interaction. Parce que pour le moment, mon état de jeu, il s'en foutait un peu de l'autre. Oh, par contre, il va y avoir un peu de délire sur la simulation pour savoir dans quel ordre ils sont récupérés. Bon, on verra aussi. C'est pas vraiment l'urgence du moment. La taxe est appliquée après la disparition. Ok. Il y a 42 sorts en tout. Bon, pour un jeu à 100 tours, ça inquiète pas trop. Et un ID, on peut l'apprendre. Reste, ça va pas changer. Les bons, ça va pas changer. Il y a des bonus. Ok.
Ok, 100 tours. Bon, alors je vais pas avoir le temps de faire la totale. On va aller au plus pressé pour que ça compile. Ça, c'est pareil, on verra après. Ça, on va complètement l'ignorer pour le moment. Bon, en fait, on peut les ignorer, hein, mais. On peut absolument se dire qu'on va jamais faire de learn. Et ça devrait marcher quand même. Non. Il est où celui-là? Ici, voilà. Next, à partir d'un learn, et ben non, on va le snobber. Et ça devrait au moins ne pas crasher. Ah si, tiens, non action type learn. Ah oui, il faut être capable de le lire. On est d'accord. Donc learn, blablabla. Bon, je vais quand même prendre la. Non, j'ai pas envie. Hop, on va déclarer ça avec l'unité pour le moment. Et ça fait un vrai jeu. 74 tours, ouais, ça fait un vrai jeu. Donc on va pouvoir soumettre ça et je pense qu'on va s'arrêter à peu près là. Et peut-être qu'on reprendra ça demain. Donc moite moite, bon d'accord, ça nous fait du mi-bronze à vue de nez. Très bien. Et bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, allez-y sur le chat pendant un moment. Et si j'arrive à me libérer un peu de temps, on verra ça demain. Allez, salut!